السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله ça va et toi. Donc on se retrouve, الحمد لله, une nouvelle fois. Pour l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Donc on avait terminé le hadith numéro 7, qui est le hadith de Ruqayya Tamim ibn Aws al-Dari, radiyallahu ta'ala anhu. Et on va inchallah continuer avec le hadith numéro 8, qui est le hadith de Abdullah ibn Umar. Donc le hadith al-Thamin. حديث نمبر 8 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. Donc le hadith d'Abdullah ibn Umar, c'est le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils attestent que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ils accomplissent la salate et qu'ils donnent la zakat, qu'ils s'acquittent de la zakat. Lorsqu'ils font cela, ils se sont alors préservés de... Ils ont alors préservé de moi leur sang et leur bien. » Sauf par le droit de l'islam et leur jugement incombe à Allah Ta'ala. Ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc je répète que dans notre religion en islam, ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est le plus haut degré d'authenticité qu'on peut avoir. C'est le plus haut degré d'authenticité qu'on peut avoir. Sans parler bien sûr de les hadiths qui sont mutawatir, qui sont rapportés par tellement de voix qu'on ne peut pas les compter. Ça c'est un autre sujet, mais... Le plus authentique des hadiths, c'est ce qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, ensuite ce qui est rapporté par le Bukhari, ensuite ce qui est rapporté par le Muslim, ensuite ce qui est sur leurs deux conditions, sur leurs conditions aux deux, etc. Donc, ce hadith-là que rapporte Abdullah ibn Umar selon le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est fondamental parce qu'il explique avec quoi bimada tathbutul isma. Avec quoi on considère que quelqu'un est protégé par les droits de l'islam? Avec quoi on considère que quelqu'un est sous la tutelle de l'islam? Et avec quoi on considère que quelqu'un n'est pas sous la tutelle de l'islam? C'est cela qui est très important. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils attestent que la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » Le prophète alayhi salatu wassalam, il a été envoyé pour répandre un message de son Seigneur. Et donc il nous dit que ce message-là, eh bien il se bat pour le répandre jusqu'à temps que les gens l'acceptent. Ce message-là, c'est le message de l'islam. Et donc le hadith, globalement, il nous dit qu'à partir du moment où la personne elle accepte l'islam, elle rentre sous la tutelle de l'islam et elle est protégée, elle est préservée dans sa personne et dans ses biens. Comment est-ce qu'on rentre dans la tutelle de l'islam? En acceptant les deux témoignages. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ça, c'est la première étape. En acceptant les deux témoignages, en reconnaissant que nulle divinité ne mérite l'adoration sauf Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et on a déjà expliqué ces deux témoignages-là dans les hadiths précédents, dans le hadith de Jibril, etc. Et on a mentionné leurs détails. Ici, on rappelle seulement leur définition. La ilaha illallah signifie que nulle divinité n'a le droit d'être adorée, sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah, signifie que Muhammad est notre messager qu'on doit suivre et qu'on doit croire et qu'on doit aimer plus que nos propres personnes.
Donc ces prescriptions-là avec lesquelles la personne est préservée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mentionnées et on peut les diviser en deux catégories. Il a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à que ils attestent que notre divinité est digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, cette attestation, elle donne la préservation de la personne sur le champ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne, elle atteste de cela sur le champ, sur l'instant présent, elle est préservée par les droits de l'islam. Mais après, derrière cette attestation-là, elle a des droits. Elle-même, elle a des droits. Et la personne, elle doit s'acquitter de devoirs par rapport à cette attestation. Qui sont d'accomplir la salat, de donner la zakat et de faire les cinq piliers de l'islam. De faire les cinq piliers de l'islam. À partir de ce moment-là, la personne, elle est acceptée dans le cercle des musulmans sur le long terme. Donc il y a deux types de asma. Il y a deux types de protections qui sont accordées par l'islam. Il y a ce qu'on appelle en arabe ismatul hal. Ismatul hal. La préservation sur le moment qui est garantie par la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc ça, à partir du moment où la personne, elle s'en acquitte, khalas, elle est considérée comme musulmane et elle a tous les droits dont peut jouir un musulman sur le moment. Et ensuite, sur le long terme, la personne, elle doit prouver cette attestation-là en accomplissant justement les piliers de l'islam. Et parmi les plus grands principes de ces piliers-là, le fait d'accomplir la salat et de s'acquitter de la zakat. Si la personne, elle ne fait strictement rien de l'islam, mais strictement rien, eh bien, elle perd justement cette protection-là qui lui est accordé par l'islam, en fonction de degrés, bien sûr, qui sont détaillés dans les livres de fiqh et dont il n'est pas notre propos ici. Mais simplement, il faut mentionner qu'il y a deux types de isma, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il mentionne que d'abord on dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ensuite ils accomplissent la salat, ensuite ils donnent la zakat. Ça ne veut pas dire que ils n'auront la protection qu'à partir du moment où on les voit prier, on les voit donner la zakat. Non. Il y a d'autres hadiths qui corroborent le fait que, à partir du moment où une personne elle dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, elle a la protection de l'islam. Et leur jugement, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire leur jugement de savoir est-ce qu'ils ont été véridiques ou pas dans cette attestation-là, eh bien il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne nous appartient pas à nous de fendre leur poitrine pour aller voir si dans leur cœur c'est véridique ou pas. Et ça, j'y reviens juste après, inshallah ta'ala, c'est un point qui est important. Mais on va terminer juste la mention des détails du hadith. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit illa bi haqqi l'islam. Donc leur sang et leur argent, leurs biens sont protégés. Pourquoi est-ce que leur sang et leurs biens sont protégés? Parce que à partir du moment où, si par exemple, il y a un combat ou il y a un conflit ou il y a une guerre entre l'armée des musulmans et entre le peuple de la personne dont elle fait partie, si elle se protège en disant la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sur le moment, elle est protégée, ses biens sont protégés, son sang est protégé, on ne peut pas l'approcher, on ne peut pas approcher ses biens, on ne peut pas considérer ses biens comme un butin, etc. etc. Donc c'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, Asam minni dima'ahum, ils se sont préservés dans leurs biens et dans leur sang par rapport à moi. Mais sur le long terme, il faut qu'elle justifie ces témoignages-là par l'accomplissement des piliers. Mais sinon, le musulman, il est protégé par rapport à son frère musulman, comme on a mentionné, dans ses biens, dans son honneur et dans son sang. Et ça, c'est les trois principes les plus importants. Et c'est les trois points sur lesquels reviennent la plupart des crimes et qui sont hautement sacralisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du serment d'adieu, il a dit, vos sangs, vos honneurs et vos biens sont sacrés pour vous, sont sacrés les uns envers les autres, comme la sacralité de ce jour-là, dans ce mois-là, dans cette terre-là. Il prononçait cela, la période du Hajj, dans la terre sacrée de Mecque. Donc c'est très important de reconnaître et de comprendre que le musulman est sacré pour son frère musulman, dans son argent, dans son honneur et dans ses biens. Le musulman, il ne doit pas approcher son frère musulman dans son honneur, dans son argent et dans ses biens, pardon, dans son honneur, dans son sang et dans ses biens. Il doit lui garantir la totale protection à partir du moment
où ils se rejoignent dans l'attestation de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bien sûr, ça ne veut pas dire que voler un non-musulman est autorisé ou que frapper un non-musulman est autorisé. Bien évidemment que non. Mais ça, c'est un contexte qui est justement dans les textes de combat. Par exemple, lorsque on ouvre le chapitre du djihad dans les livres de fiqh, on a ces détails-là qui nous reviennent. Et on sait que quand une personne est musulmane, quand bien même elle serait d'un pays étranger ou quoi, eh bien elle a la totale protection que lui fournit l'islam à partir du moment où elle atteste des deux témoignages. Et comme on a dit, c'est un détail qui revient au livre de fiqh et qu'on n'a pas le temps d'évoquer ici. Donc ce qui est important aussi qu'on peut profiter dans ce hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et leur jugement revient à Allah ta'ala. Ça signifie que ces personnes-là, elles sont jugées par Allah subhanahu wa ta'ala et non pas par nous. Nous, on juge sur l'apparence et Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est réservé le jugement de l'intérieur et des poitrines. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui, prétextant le fait d'avoir reçu l'islam comme héritage de leurs parents, pensent qu'ils sont meilleurs que les personnes qui viennent de se convertir ou que les personnes qui viennent d'entrer en islam. Et ça, c'est une grande erreur. Il y a même des personnes qui vont oser, ça, wallah, je l'ai vu de mes yeux, qui vont oser remettre en doute l'islam de quelqu'un qui vient de se convertir. Il te dit non, mais lui, il s'est converti juste pour se marier avec une telle. Et lui, il s'est converti juste pour la mode. Ou lui, il s'est converti juste pour avoir la classe. Ou... Et ça, c'est pas ton problème. Il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est un musulman. Il a tous les droits d'un musulman. Il peut se marier avec les musulmanes. Et aujourd'hui, il y a une histoire, il y a un gros problème qu'on a, nous, dans notre communauté. C'est cette histoire de jalousie mal placée. Subhanallah, pourquoi est-ce que cette personne-là, qui vient de rentrer en islam, elle n'aurait pas le droit d'épouser les sœurs de notre communauté comme n'importe quel musulman? Il y a ce racisme-là qui reste dans notre communauté qu'on doit absolument éradiquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait du nationalisme et donc évidemment du racisme, il disait c'est une pourriture, délaissez-la. Utrukuha fa innaha muntina. C'est une pourriture, délaissez-la. Donc tous ces dogmes et toutes ces idéologies-là du rejet de l'autre parce qu'il n'est pas comme nous, ça doit être brisé. Et justement, les barrières entre nous, elles doivent être brisées par la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La seule barrière qu'on a entre êtres humains, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. À part la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il n'y a plus aucune barrière. Il n'y a pas de barrière d'origine, il n'y a pas de barrière d'âge, il n'y a pas de barrière de culture, il n'y a pas de barrière. Tout cela, ça doit être justement un plus. Il a une culture différente, je ne dois pas le voir comme une tare, je dois le voir comme un enrichissement. Il va m'apprendre des choses que je ne connais pas. Peut-être qu'il va m'enrichir de choses que je ne connais pas. Comme Salman al-Farisi ici, par exemple, un des compagnons qui était perse à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Khandaq ou de l'Ahzab, lorsque les polythéistes ils ont assiégé Médine, ils étaient en route pour assiéger Médine, eh bien Salman al-Farisi ici, il a proposé une technique au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui venait des Perses et qui n'était pas connue des Arabes. Et lorsqu'il a proposé la technique, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce qu'il lui a dit, non mais... Nous, on veut juste les trucs des Arabes, les trucs des Perses, ça ne nous intéresse pas. Wal'iyadu billah, hasha wa rasul, hasha wa lillah, hasha rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an yatakallam bihada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien loin de prétendre cela. Dès que Salman al-Farisi a proposé son idée, il a dit, nous en Perse, quand on se faisait assiéger, on faisait telle et telle chose. Il creusait un fossé autour de la ville pour que justement les assiégeants ils ne puissent pas pénétrer dans la ville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a entendu cela, il a étudier la question, bien évidemment, parce que c'est toute question et toute proposition à étudier. Et lorsqu'il a vu que c'était une proposition intéressante, il a directement ordonné aux compagnons de chacun prendre une part de terre et de la creuser. Et par cela, ils ont gagné la bataille de l'Ahzab. Également par une aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, évidemment. Donc ça montre que la différence de culture, ça doit être un bénéfice pour nous. Ça ne doit pas être une tare. Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô vous les hommes, nous vous avons créés d'un homme et d'une femme. C'est-à-dire, vous venez tous du même père et de la même mère. On est tous du même père et de la même mère.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus. Pourquoi? Pour que vous vous rejetiez? Pour que chacun il jette l'opprobre sur l'autre? Pour que chacun il rejette son frère? Non, pour que vous vous entreconnaissiez. Et après Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, le meilleur d'entre nous, qui sait? Est-ce que le meilleur d'entre nous c'est une personne qui est arabe? Est-ce que le meilleur d'entre nous c'est l'Algérien, le Marocain, le Tunisien, l'Égyptien, le Malien, le Sénégalais? Le meilleur d'entre vous c'est le plus pieux. C'est cela qui distingue les humains et les gens de cette communauté. C'est la piété. Et dans le hadith que rapporte l'imam Ahmed dans son Musnad, ainsi qu'Al-Bayhaqi et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux gens, vous êtes tous de Adam, et Adam est de terre. Vous avez tous été créés de la descendance de Adam, et Adam a été créé de terre. Il n'y a pas de différence entre un Arabi et un Ajami. Il n'y a pas de différence entre un Arabe et un non-Arabe. Il n'y a pas de différence entre un blanc et un noir. C'est qui dit ça? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des siècles et des siècles avant les massacres que les Occidentaux ont fait vivre, que ce soit par l'esclavage ou que ce soit par les abominations qu'ils ont commises avec les aborigènes, avec ceci, avec cela, sous prétexte d'une supériorité de la race. Des siècles et des siècles avant les massacres qu'Hitler a fait vivre aux populations sous prétexte de leur race, etc., etc., le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, entre un blanc et un noir, sauf par la piété. Aucune différence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié Bilal à une hachimiya, et à une arabe pur sang. Et Bilal, c'était un éthiopien. Ce qui pourrait être considéré à l'époque comme des esclaves. Et justement, ça fait partie des choses pour lesquelles les mouchriquines, les polythéistes de l'époque, ils n'acceptaient pas l'islam, parce que ça cassait les barrières, et ils voulaient des barrières pour se montrer supérieurs. Et donc tout cela, on peut le tirer de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains qui n'acceptent pas qu'on brise ce nationalisme-là, et qu'on fasse rentrer les gens de différentes cultures et de différentes nationalités en islam, eh bien, ils vont aller prétexter que non, il n'est pas sincère. Et non. Et qui te dit que toi, tu es sincère? Qu'est-ce qui me prouve que toi, tu es sincère dans la ilaha illallah? Il se peut que toi, tu es le plus grand des hypocrites et tu viens juger l'islam d'un tel et l'islam d'un tel. Wallah, et on a déjà vu ça. Une personne convertie, elle veut se marier avec une musulmane de la communauté. Et la sœur, elle l'a agréé. Et le père, pourquoi est-ce qu'il s'oppose? Non, mais parce que je ne sais pas s'il est sincère. C'est interdit, wallah, al-azim, c'est haram. Celui qui veut les preuves de cela, qu'ils reviennent vers les livres de jurisprudence. C'est haram de s'opposer au mariage d'un musulman avec une musulmane sous prétexte de l'origine. Il y a effectivement ce qu'on appelle al-kafa'a dans l'islam, le fait qu'ils soient de la même catégorie sociale pour ne pas qu'il y ait un décalage dans leur mariage, etc. Effectivement, même si c'est un principe qui parfois est renié par certains ulama, l'hasl, ce n'est pas notre sujet, mais jamais ils n'ont parlé d'origine, jamais les ulama n'ont parlé d'origine. Donc effectivement, le racisme, c'est un énorme péché. Et celui qui veut, on a écrit, bifadlillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis d'écrire un article à ce sujet, sur ma page, l'islam et le racisme. Il fait à peu près 6 pages, c'est pas très long. Et j'essaye, dans cet article-là, de montrer à quel point cette prétention-là est étrangère à l'islam. Cette prétention-là est complètement opposée au principe de l'islam. Donc tout ça pour dire qu'à partir d'une personne, à partir du moment où une personne, elle arrive devant toi, elle dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » tout en ayant bien compris la profession de foi, en ayant bien compris les tenants et les aboutissants et ce que cette attestation implique, eh bien à partir de ce moment-là, on lui donne le plein droit de l'islam et il nous est pas autorisé, pardon, de faire la différence entre elle et entre un musulman entre guillemets de souche. Il n'y a pas de musulmans de souche. Les vrais musulmans de la base des bases, ils étaient tous convertis. Évidemment, parce qu'ils n'étaient pas musulmans à la base. Quand ils ont reçu le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont convertis. Les premiers musulmans, c'est des convertis. Et on oublie cela. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Tout cela, ce sont des gens qui se sont convertis. Ils ont embrassé l'islam. Et les compagnons qui sont nés en islam, ils sont finalement très peu. C'est toute la dernière génération des compagnons.
Et malgré cela, aujourd'hui, on ose jeter l'opprobre sur les convertis en disant oui, les convertis, les convertis. D'ailleurs, ça, juste le terme, les convertis, si c'est pour rappeler que la personne yani, a un mérite, on pourrait l'accepter. Mais sinon, ce serait un terme qu'on devrait retirer de nos langues. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on reste à dire les convertis. Qu'est-ce qui distingue un converti d'un musulman d'origine? À partir du moment où il est musulman, arrête de l'appeler le converti. Appelle-le le musulman. Pourquoi est-ce que tu dis ouais, c'est un reconverti, c'est un reconverti? Non, enlève ça de ta bouche. Enlève cette parole-là de ta bouche. Tu n'as pas à qualifier une personne en disant reconverti, en faisant une différence entre un reconverti et un musulman. C'est un musulman, c'est un musulman, khalas. Et la personne qui, soi-disant, est musulmane d'origine, mais qui a commencé à prier à 30 ans, tu l'appelles pas reconverti? Pourquoi est-ce que tu l'appelles pourquoi est-ce que tu l'appelles pas reconverti? Il avait rien de l'islam. Il a 30 ans, il a eu la lumière, et alhamdoulillah, il a été guidé, et il a commencé à prier. Et pourquoi est-ce que lui, il est plus musulman que le reconverti qui s'est converti à 18 ans, parce qu'il a recherché, parce qu'il est parti lire dans les livres, parce qu'il est parti questionner les gens de science, et parce qu'il a fait ça avec pleine conviction et qu'il a embrassé l'islam de la meilleure des manières? Pourquoi est-ce que tu vas l'appeler reconverti et l'autre tu vas pas l'appeler reconverti? Donc c'est une injustice qui revient à notre époque et qui est extrêmement grave et dont on doit absolument se défaire. Et j'ai profité de ce hadith-là qui parle justement de conversion pour mettre un point d'honneur sur ce sujet-là qui est un sujet malheureusement de division à notre époque. Effectivement, c'est pas forcément méchant, mais ça reste quand même un rabaissement. Ça veut dire qu'à partir du moment où, après Allahu A'lam, je peux me tromper, ça c'est quelque chose qui vient de moi, mais à partir du moment où on dit lui c'est le converti, eh bien on marque une démarcation. C'est comme si on disait nous on est musulmans de souche. C'est comme si nous on est les musulmans, on est les anciens, et lui c'est un petit nouveau. C'est à peu près comment dire, ce phénomène-là, ce principe-là de rabaisser tout le temps la personne. Après, ça peut être gentil, bien sûr. On peut dire que, comme je disais tout à l'heure, on peut dire que converti, ça, il est converti parce qu'il a un mérite. Comme je disais tout à l'heure, à ce moment-là, ça peut être accepté. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ça, malheureusement. La plupart du temps, c'est des Arabes qui disaient le converti. Et subhanallah, c'est un rabaissement. C'est quelque chose qui. Pourquoi est-ce que tu m'appelles le converti? Converti, c'est une catégorie de musulmans qui n'est pas comme les autres. C'est une catégorie de musulmans, c'est une classe sociale des musulmans. Donc il faut faire attention aux termes qu'on emploie, il faut faire attention à l'intention qu'on a quand on emploie les termes aussi. Parce qu'employer le terme, comme je disais, pour montrer que la personne a un mérite, c'est-à-dire que tu dis, regarde, mashallah, lui à la base c'était un prêtre et il s'est converti. Par exemple, à ce moment-là, il n'y a aucun mal. Comme on dit, Omar ibn Khattab, c'était un tyran dans le Jahili et il s'est converti. Il s'est devenu le plus pieux parmi les plus pieux des hommes. Il n'y a pas de mal. Mais si c'est pour dire le converti pour le rabaisser, lui donner une catégorie inférieure à la nôtre, alors à ce moment-là, non. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. Leur jugement, il appartient à Allah. Taïb, il reste une question. Donc, qu'est-ce qui peut, justement, faire sauter, entre guillemets, cette protection-là, إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. Pour revenir à إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ, إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ, sauf en droit de l'islam, ça va être deux choses. Soit délaisser l'islam qui protège la personne, ou soit commettre des interdits qui enlèvent justement la protection de la personne. C'est-à-dire délaisser l'islam, par exemple l'apostat, ou la personne qui délaisse complètement l'islam, qui n'en fait plus rien, ou la personne qui renie un des fondements de l'islam, qui renie l'obligation de la prière par exemple. On a bien parlé de l'obligation de la prière et non pas la pratique de la prière, parce que ne pas faire la prière, selon l'avis de notre école, c'est une chose qui rend pervers du plus haut degré de la perversité, mais qui ne sort pas de l'islam. Il y a certains ulémas, comme les savants de Hanabila, qui considèrent que la personne sort de l'islam lorsqu'elle délaisse la prière, ça reste un sujet de divergence. Et le deuxième principe, la deuxième chose qui fait tomber justement cette isma et qui rentre dans illa bihaqqi l'islam, c'est le fait de faire des interdits qui font sauter justement cette protection-là. Comme par exemple de tuer. C'est expliqué dans un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La yahillu damu imri'in mu'minin illa bi ihda thalath. Le sang du musulman ne peut être désacralisé entre guillemets
que par trois choses. An-nafsu bin-nafs, la loi du talion, lorsque la personne elle tue quelqu'un, eh bien elle a la peine capitale. Wa-thayyibu az-zani, le marié qui commet l'adultère, eh bien également elle a la peine capitale. Wa-tariku li-dinihi al-mufariq lil-jama'a, celui qui délaisse sa religion et qui s'écarte du groupe, donc l'apostat. Et également, ça c'est pour Dima'ahum, également par exemple la personne qui commet un vol, comme vous le savez, on lui coupe la main. La personne qui commet tout péché qui nécessite une peine légale, eh bien là, cette peine-là légale et la protection qui lui était accordée, elle saute, que ce soit en partie ou totalement. Et également pour ses biens, c'est-à-dire que si l'État de l'islam voit qu'il est impératif de lui retirer une partie de ses biens, pour X ou Y raison qui est justifiée bien sûr en islam, comme par exemple une personne qui aurait volé, eh bien elle se doit de rembourser, ou une personne qui quelque chose, une personne qui a tué quelqu'un malencontreusement, elle doit payer la dîya, la rançon, etc. Et bien à ce moment-là, la protection sur ses biens, elle disparaît en fonction de ce qui est nécessaire. Donc on passe au hadith numéro 9, le hadith التاسع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Donc ce hadith là il est extrêmement important. Abu Huraira, qui s'appelle Abd al-Rahman ibn Sakhr al-Dawsi. Abu Huraira, c'est un compagnon qui est connu, qui a embrassé l'islam tardivement, qui s'appelait Abd al-Rahman ibn Sakhr al-Dawsi. Il s'appelait Abd al-Rahman ibn Sakhr al-Dawsi, selon l'avis authentique des ulama. Pourquoi Daoussi? Parce qu'il venait justement de la tribu de Daous. Et la personne qui a été la cause de sa conversion, c'est Tufayl ibn Amr al-Daoussi. Cette personne-là qui était un grand poète et qui, lorsqu'il est venu à Mecca, les polythéistes lui ont fait peur et lui ont dit: fais attention, il y a une personne qui raconte des sornettes. Qui raconte des sornettes sur. Qui est un sorcier, qui prétend être un prophète alors que c'est un fou. Ils lui ont tellement fait peur qu'il a mis du coton dans ses oreilles pour ne pas entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait du coton dans les oreilles donc il n'entendait pas. Il a dit, il s'est parlé à lui-même, il a dit: tu es un homme intelligent et tu peux prendre le bien comme tu peux distinguer le bien du mal. Tu ne vas pas te laisser avoir par des belles paroles. Tu sais distinguer le bien du mal. Alors écoute ce qu'il a à dire. Si c'est un bien, tu adhéreras. Et si c'est un mal, tu rejetteras. Et ça, c'est une inspiration qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis dans son cœur parce que c'était quelqu'un d'honnête et de véridique. Radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit, effectivement, c'est des paroles. Si elles sont bien, tu y adhères. Et si elles sont mauvaises, tu les rejettes. Et il n'y a rien de. Il ne va pas t'ensorceler ou quoi. Il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter Qul ya ayyuhal kafirun. Il a tellement été touché, il a dit, yani, c'est obligatoire que ce soit la vérité. Il a adhéré directement à l'islam. Il est revenu à son peuple pour les appeler à Allah. Et vous pourrez trouver l'histoire de Tufayl ibn Amr al-Dawsi dans les livres qui sont faits à ce sujet. Et donc, al-Hasil, Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, fait partie de ces gens qui sont entrés en islam de cette tribu-là de Daous. Et il rapporte ce hadith. Donc, Abu Huraira, pourquoi est-ce qu'il s'appelait Abu Huraira? Parce qu'il avait un petit chat dont il s'occupait. Et Hurayra, c'est le diminutif de Hirra. Et Hirra, c'est la chatte. Et donc, il avait un petit chaton dont il s'occupait. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé Abu Hurayra. Il dit, Sami'tu Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, toute chose que je vous ai interdit, écartez-vous-en. Wa ma amartukum bihi, fa'tu minhu ma istata'tum. Et ce que je vous ai ordonné, faites-en ce que vous pouvez. Fa'innama ahlaka alladhina min qablikum. Car la chose qui a détruit les générations d'avant vous, l'excès de leurs questions, et leur divergence avec leurs prophètes. Donc ce hadith-là, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que la première partie du hadith, c'est une base qui nous montre
الواجب في النهي الواجب في الأمر والنهي qui nous montre ce qui nous est obligatoire dans les ordres de la législation et dans les interdictions de la législation. Donc ça, c'est la première partie du hadith. Et la deuxième partie du hadith, elle nous montre les causes de la destruction des générations d'avant nous pour nous en écarter justement, pour ne pas tomber dedans. Donc Abu Huraira, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, toute chose que je vous ai interdit, écartez-vous-en. Et toute chose que je vous ai ordonnée, faites-en le maximum possible. Donc ça nous montre, la première partie de cette phrase-là, elle nous montre ce qui nous est obligatoire par rapport aux interdits. Toute chose qui est interdite en islam, ce qui est obligatoire, c'est de la délaisser en t'écartant. Donc pas seulement de la délaisser elle-même, mais également de t'écarter de toutes les causes qui peuvent y ramener. De t'en désolidariser complètement, de t'en écarter. De ne même pas approcher les causes qui peuvent y amener. Et a fortiori, de ne pas approcher la chose en elle-même. Donc ça, c'est le wajib fil nahi. Donc ce n'est pas seulement délaisser. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a interdit la fornication, il n'a pas juste dit ne forniquez pas. Il a dit wala taqrabuz zina et n'approchez pas la fornication. Et n'approchez pas la fornication. Et lorsque. Il a interdit de consommer l'argent des orphelins. Il n'a pas dit ne consommez pas l'argent des orphelins. Il a dit wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan. Et n'approchez pas l'argent des orphelins. Lorsqu'une personne elle a un orphelin sous sa tutelle et qu'elle a une somme d'argent pour s'occuper de cet orphelin-là, c'est pas seulement qu'elle n'utilise pas l'argent de l'orphelin pour elle-même, c'est-à-dire frauduleusement. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit juste ne touche pas l'argent. Il a dit ne n'approche pas l'argent. Ne fais même pas ce qui pourrait être une tentation pour toi pour consommer l'argent et pour dilapider les biens de cet orphelin dont tu as la tutelle et dont tu as la charge. Donc ça, c'est extrêmement fort. Ce qui est obligatoire par rapport aux interdits, premièrement, c'est de s'écarter de toutes les causes qui peuvent y amener et a fortiori de ne pas le commettre. Et ce qui est obligatoire par rapport aux obligations, justement, c'est de la faire le maximum, c'est d'en faire le maximum possible. C'est d'en faire le maximum possible. Donc quand on trouve un interdit, il est interdit d'approcher les choses qui peuvent nous approcher de cet interdit-là. Par exemple, la fornication, c'est un interdit. Il est interdit de draguer, par exemple, une femme, ce qui va nous amener à la fornication. Il est interdit de parler avec une femme d'une manière qui va nous approcher à la fornication, justement. On ne parle pas des manières qui sont sobres et qui sont légitimes, parce que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils parlaient avec les femmes des compagnons et avec les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous évoque cela. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. Ne parlez pas avec complaisance pour ne pas que la personne qui a une maladie dans son cœur espère. Donc ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas interdit de parler, mais il leur a interdit de parler avec complaisance. Donc toutes ces choses-là qui vont nous approcher de az-zina, de la fornication, ça va être interdit. Toutes les choses qui vont nous apporter, qui vont nous approcher de al-khamr, de l'alcool par exemple, ça va être interdit également. Toutes les choses qui vont nous approcher de al-riba, de l'intérêt bancaire, ça va être interdit. Et ça, aujourd'hui, il y a énormément de choubouhat, énormément de zones d'ombre qui sont justement laissées par les personnes qui sont dans ce milieu-là pour perturber les gens, pour leur cacher, pour mêler le vrai au faux et pour leur cacher la vérité et pour que la personne elle, dise « Oui, mais de toute façon, c'est pas l'intérêt. Oui, mais de toute façon, c'est pas l'intérêt. » il approche doucement jusqu'à qu'il tombe dans le riba. Donc toutes les choses qui amènent à l'interdit, le hasil, c'est des choses dont on va devoir s'écarter. C'est des choses dont on va devoir s'écarter. Également par rapport à la médisance. Si tu sais que certaines personnes, des fois, par exemple, elles vont commencer à parler de quelqu'un en bien, et après, petit à petit, elles vont tomber à parler de des choses qu'il n'aurait pas dû faire, et après, elles vont commencer à parler de ce qu'il aurait dû faire, et après, elles vont commencer à parler de ses défauts, et elles vont commencer à tomber dans le raïb. Et si tu sais que ce chemin-là, il t'amène vers le raïb, coupe-le directement. Tu dis à la personne avec qui tu parles, tu dis, moi, je préfère ne pas parler des gens. Même en bien.
Comme ça t'écarte de l'interdit. Et malheureusement, ça c'est énormément répandu. Et après, la personne ne se rend pas compte. Et à la fin de la conversation, elle dit, oh, subhanallah, est-ce que j'ai fait de la médisance ou pas? C'est trop tard maintenant. Il fallait t'en rendre compte avant. Il fallait t'en rendre compte au début. Maintenant que tu l'as fait, c'est trop tard. Ça montre à quel point la personne elle doit être vigilante par rapport aux interdits. Quant aux obligations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faites-en minhum mastata'tum, faites-en ce que vous pouvez. C'est-à-dire faites-en le maximum que vous pouvez. En d'autres termes, la personne elle est déchargée d'accomplir ce qu'elle ne peut pas faire dans la législation. Par exemple, si la personne elle doit faire salat et qu'elle est tellement malade qu'elle ne peut pas se tenir debout, eh bien qu'elle prie assis. Et si elle est tellement malade qu'elle ne peut pas prier assis, eh bien qu'elle prie allongée, etc., etc. Faites-en ce que vous pouvez, le maximum que vous pouvez. Ou alors une personne qui peut se tenir debout pour la lecture de l'Fatiha, mais dès qu'on termine de lire l'Fatiha, il se sent fatigué, il a besoin de s'asseoir, eh bien qu'il se tienne debout pour la lecture de l'Fatiha et qu'il s'assoie ensuite. Il ne s'assoit pas quand il doit lire la Fatiha parce qu'il peut justement se tenir debout. Qu'il en fasse ce qu'il peut. La personne qui ne peut pas faire le Hajj, il n'est pas obligatoire de faire le Hajj. La personne qui ne peut pas faire Ramadan, il n'est pas obligatoire de faire Ramadan. Dans les détails qui sont évoqués dans les livres de fiqh, encore une fois, ce n'est pas notre sujet, mais c'est pour donner la règle globale. La personne qui ne peut pas donner zakat parce qu'elle n'a pas d'argent, la zakat, elle n'est même pas, elle ne le concerne même pas. Elle concerne la personne qui a justement une somme d'argent qui reste, qui est au-dessus du nisab et qui reste toute une année. À quel point la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est miséricordieuse, à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux envers nous dans notre religion. Il ne nous impose que ce qu'on peut faire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, fattakullaha mastata'tum, craignez Allah tant que vous pouvez. Allah subhanahu wa ta'ala nous impose que ce qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire que toutes les obligations, on peut les délaisser à partir du moment où on ne peut pas. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'il y a une facilité qui vient par rapport à la difficulté. Il y a une règle chez les ulama du fiqh, dans le qawaid al-fiqh, il y a dans les cinq grandes règles du fiqh. Il y a cinq grands principes dans le fiqh qu'on appelle les cinq grandes qa'idas, qui est al-mashaqqa tujlibu at-taysir. La difficulté, elle amène la facilité. La difficulté, elle amène la facilité. À partir du moment où il y a une difficulté, eh bien, il y a une porte de facilité qui s'ouvre. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » On voit qu'il y a une nette différence entre les obligations et entre les interdits. Dans les interdits, il nous a pas dit délaisser les interdits que vous pouvez. Il nous a dit délaisser tous les interdits et délaisser même les causes qui y ramènent. Fajtanibou, écartez-vous-en. On doit délaisser à la fois l'interdit et à la fois la cause qui nous amène. Alors que l'obligation, on en fait ce qu'on peut. On en fait le maximum qu'on peut en fonction de notre capacité. Ce qui montre que c'est une aberration. Une personne elle dise oui mais moi ce haram là je ne peux pas le délaisser, c'est une aberration totale. La personne qui dit ce haram là je ne peux pas le délaisser, elle n'a même pas compris la notion du haram. Comme on a vu dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, le haram c'est comme un enclos privé qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est réservé, tu n'as même pas le droit d'y pénétrer. Ça veut dire que si tu es dedans, c'est pas « oui, mais j'arrive plus à sortir ». Non, c'est à la base, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu es rentré? À la base. De base, pourquoi est-ce que tu es dans cet enclos-là alors que tu n'as même pas y rentré? Donc c'est ça le haram. Il n'y a pas de « je peux pas délaisser le haram ». Aujourd'hui, des gens ils disent « ouais, mais c'est trop dur d'arrêter ». Mais qu'est-ce qui t'a poussé à le faire à la base? C'est pas une chose que tu peux faire si tu en as besoin. C'est une chose dont tu dois t'écarter complètement. Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous montre en sachant que ça c'est mentionné pardon dans un verset du Coran qui est le verset de sourate al-Hashr où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et tout ce que le messager vous apporte, prenez-le, et tout ce qu'il vous ordonne de délaisser, eh bien arrêtez-vous-en. Tout ce qu'il vous interdit, arrêtez-vous de le commettre. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Parce que ce qui a détruit les générations d'avant vous, et ici les générations d'avant vous, ce qui est désigné, c'est les juifs et les chrétiens. C'est l'excès de leurs questions, l'excès de questions et leur divergence avec leurs prophètes.
Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne que les générations d'avant nous, elles ont été détruites parce qu'elles posaient trop de questions et parce qu'elles divergeaient trop avec leur prophète. C'est ce qui a amené le déclin et la destruction des communautés avant nous. Quant au fait de poser trop de questions, ça a été blâmé dans énormément de versets et d'ahadith. Dans les versets, par exemple, on a l'histoire de Moussa alayhi salam lorsqu'il a ordonné à son peuple d'égorger une vache. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. Lorsque Moussa ordonna à son peuple d'égorger une vache, ils ont dit: est-ce que tu nous prends, est-ce que tu te moques de nous? قال معاذ الله أن أكون من الجاهلين. Il a dit: je demande à Allah protection d'être du nombre des ignorants. Donc à la base ils ont dit: est-ce que tu te moques de nous? Est-ce qu'on peut dire ça à un prophète? Est-ce que quand on a un respect pour un prophète, on peut dire au prophète: tu te moques de nous? Et déjà, ça, c'est un manque de respect. Et ça, on le retrouve dans notre communauté. Des gens, tu lui amènes un hadith, eh bien, il va te dire: tu te fous de moi ou quoi? Ou tu te fiches de moi, pour être plus poli. Et ça, c'est un manque de respect. Normalement, le croyant, lorsqu'il entend Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien, il fait. Hasil. Et ils ne se sont pas contentés de ça. Ils ont dit: قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ. Ils ont dit: invoque ton Seigneur pour qu'il nous clarifie ce qu'est cette vache. On ne t'a pas demandé que cette vache-là soit clarifiée. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné d'égorger une vache. Prends n'importe quelle vache et égorge. سَمْعًا وَطَاعًا. J'obéis, j'écoute et j'obéis. Eux, ils ont cherché la petite bête. Ils ont dit d'abord: invoque ton Seigneur pour qu'il nous montre quelle est cette vache-là. قال إنه يقول إنها لا فارض إنها لا إله إلا محمد رسول الله. إذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة فارض ولا بكر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. موسى عليه السلام il leur a dit: c'est une vache qui n'est ni trop âgée et ni trop jeune, qui est dans un stade, dans un âge milieu entre ces deux statuts-là. Fa'alou ma tu'marun. Faites ce qui vous est ordonné. Donc il les invite à faire ce qu'il leur a ordonné. Prenez une vache qui a un âge moyen, ni trop âgée, ni trop jeune, et faites ce qu'il vous est ordonné, au lieu de poser trop de questions. Et ils ont continué à poser des questions. قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا. Dit: invoque ton Seigneur pour qu'il nous montre quelle est la couleur de cette vache. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Vous voulez faire les malins? Voilà. Il a dit que c'est une vache qui est jaune, qui a une couleur jaune et qui fait plaisir lorsqu'on la regarde. Les caractéristiques, elle commence à se durcir. C'est-à-dire qu'à la base, c'était une vache. Maintenant, c'est une vache qui est dans un âge moyen. Maintenant, c'est une vache qui a une caractère, qui a une couleur particulière. Et ils ont continué encore. قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. Ils ont continué, ils ont dit: dis à ton Seigneur de nous montrer quelle est cette vache-là, parce que les vaches, elles se ressemblent trop, où on n'arrive pas à trouver la vache. Maintenant, vous n'arrivez pas à trouver la vache. Alors qu'à la base, on vous a juste demandé une vache. Ils ont dit: on n'arrive pas à trouver la vache, et Inch'Allah, on sera du nombre des guidés. Les ulama, ils disent: s'ils n'avaient pas dit cette parole-là, Inch'Allah, ils ne l'auraient jamais fait. Et Allah, il ne leur aurait jamais facilité de faire, ils auraient tous été détruits. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. Donc, Moussa, il leur a donné une dernière caractéristique en leur disant que c'était une vache qui n'était pas utilisée ni pour la traite, ni pour irriguer les terres. C'était une vache qui n'était pas soumise au travail. Une vache qui est libre, Et ensuite, et après énormément d'efforts, ils ont finalement trouvé cette vache-là. Après énormément d'efforts et de questions, Allah dit: ils l'ont finalement immolée. Et peu s'en faut pour qu'ils ne l'aient pas fait. Donc, tout ce qui est attiré de cette histoire-là, c'est que Bani Israël, justement, avec cet excès de questions, au lieu de faire directement ce qu'on leur disait, eh bien, ils posaient des questions, ils posaient des questions, ils posaient des questions, et des questions inutiles. Et finalement, les tâches, elles étaient de plus en plus dures.
Et ça, c'est quelque chose qui est blâmé. C'est quelque chose qui est blâmé et qui fait partie des causes qui ont amené leur destruction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, il dit « Allah yuhibbu lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha » Allah aime pour vous trois choses et il déteste pour vous trois choses. Il aime pour vous que, comme on a dit, que vous l'adoriez sans rien lui associer, que vous cramponniez tous au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas et que vous conseillez ceux à qui il a donné la gouvernance sur vous. Il déteste pour vous « qila wa qal les ragots » l'excès de questions et da'at al-mal, le gaspillage de l'argent. Il déteste pour vous, Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste pour nous l'excès de questions parce que ça n'apporte aucun bien. Et dans le hadith qu'on va voir, inshallah ta'ala, dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne me posez pas de questions. Ne me posez pas de questions tant que je ne mentionne rien. » Dans le hadith al-Aqra ibn Habs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a mentionné que le pèlerinage était à accomplir, c'était une obligation à accomplir pour chaque personne. Et l'Aqra ibn Habus, il se lève, il dit « Ya Rasulallah, afi kulli amin ya Rasulallah, est-ce que c'est une obligation à accomplir chaque année ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répond pas. Et lui, l'Aqra ibn Habus, radiyallahu ta'ala anhu, c'est un bédouin. Et les bédouins, comme on l'a mentionné plusieurs fois, c'est des gens qui avaient un caractère qui était difficile, un caractère qui était rude, comme les gens du Rif ou les gens de la campagne aujourd'hui. Et il repose la question « Afi kulli amin ya Rasulallah ?» À chaque année au messager d'Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit non. Il ne répond pas, pardon. Et une troisième fois, il pose la question, est-ce que c'est à chaque année, ya Rasulallah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répond pas. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il dit, si je vous avais dit, c'est une obligation à chaque année, j'aurais eu peur que ce soit obligatoire et que vous n'auriez pas pu l'assumer. Regardez maintenant, déjà le hajj, une fois dans la vie, il y a beaucoup de gens de cette communauté qui ne peuvent pas le faire parce que c'est onéreux, c'est cher, etc. Alors imaginez chaque année, une obligation pour chaque année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit.